Est-ce que non, on s'est mal pris. Parce que en fait, la maman, ils vont faire une BD, donc on s'est mal pris. Est-ce qu'on a mal réagi à la aux caricatures? Charlie Hebdo, bon, moi, vous avez entendu ce que j'avais répondu à Charlie Hebdo au départ. Bon, ils nous disent, nous, on est pour la liberté d'expression. Bon, c'est un journal qui va mal financièrement. Et donc, il se trouve que chaque fois qu'il y a une polémique autour de l'islam, ça leur amène des ventes qu'ils n'avaient jamais. Par exemple, sur la dernière opération, ils vendent tellement que ça leur permet de... En fait, sur un numéro... sur l'islam, quand ils attaquent l'islam, ils font suffisamment de ventes pour permettre de le renflouer sur une année. Et donc, on nous avait annoncé, c'est un activiste de l'association, du collectif contre l'islamophobie, qui avait relevé le fait que les derniers comptes de Charlie Hebdo étaient au rouge. Donc, il dit, il faut s'attendre à ce que bientôt on nous annonce une nouvelle campagne, une nouvelle controverse. Et ça n'a pas manqué, 3 semaines plus tard, ils nous annoncent qu'ils vont sortir un livre. Alors, moi, ce que j'avais répondu à tous, c'est de la pure provocation. Ce sont des esprits qui sont dans la provocation. Alors, il y a deux choses, à mon sens, qu'il ne faut pas faire. La première, c'est pas répondre, il faut ignorer. Faites ce que vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, comme certains, tombent dans le piège et ils en rajoutent, non. Quand on vous attaque, vous dites, mais paix, mais faites ce que vous voulez. Ça ne m'atteint même pas. C'est tellement petit ce que vous faites que restez avec votre petitesse. Je marche sur un autre sentier. Il faut ignorer ça. Puis la deuxième des choses, les attaquer en justice, c'est ce qu'ils veulent. Ça les met en position de victime. Parce que c'est ce qui s'était passé il y a quelques années. Je pense qu'il ne faut ni les attaquer en justice, ni leur répondre. Il faut les ignorer. Et moi, ma réponse était de dire... Ah, donc en fait, vous êtes vraiment pour la liberté d'expression. C'est ça vraiment votre liberté d'expression. Donc toute cette campagne-là, alors vous allez nous le prouver. Tout l'argent que vous avez fait, vous allez le prendre et puis vous allez l'envoyer au Mali pour les victimes des salafis djihadistes. Quand vous prenez tout l'argent, vous l'envoyez là-bas. Comme ça, on saura si c'est vraiment ça. Ils n'ont jamais répondu. Parce qu'en fait, c'est des opérations financières. C'est des gens qui défendent des idées en ayant la pensée du porte-monnaie. Mais nous, leur porte-monnaie, leur pensée, ça nous intéresse. Donc est-ce qu'on s'y est mal pris? Là, sur le coup, je pense que sur la deuxième opération, ça allait encore. La première, ça a été le premier coup et on apprend. Peu à peu, là, maintenant, on est en train d'apprendre. Je crois qu'il y a une conscience aujourd'hui des Français, de confession musulmane et des institutions, de dire on ne va pas répondre à ces provocations, c'est inutile. Je pense que vous, il faut que vous soyez dans cette logique-là. Manifester, ça ne servira à rien. Et certains, en plus, il y en a certains qui sont infiltrés dans ces manifestations dont le but, c'est de provoquer du désordre. Et puis les médias, elles vont oublier la manifestation, elles vont prendre 2 ou 3 qui font du désordre et ça va tout changer parce que vous savez comment c'est. Vous pouvez faire une manifestation à 500, à 5000 qui se passent bien, il y en a 3 sur le côté qui font du désordre, une caméra pour les 3 et votre manifestation... Elle est vue par des millions de façon complètement différente. Il ne faut pas prendre ces risques-là. Et là aussi, avec beaucoup de sérénité. La force, c'est ça. C'est de regarder toutes ces opérations-là et puis de les dépasser. En disant, on va ignorer votre ignorance.